Picard, un quartier en pleine réhabilitation, et son collège, reconstruit il y a 2 ans. Depuis janvier dernier, c'est la Marseillaise qui sert de sonnerie et personne ne s'en plaint. Ici, 70% des enfants parlent une autre langue que le français à la maison. Pas de mixité sociale, tous les élèves, ou presque, sont en difficulté. Alors les profs tentent une autre façon d'enseigner. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de classes de 3e en France qui peuvent se targuer de faire 12 sorties dans l'année. Des sorties à Paris, au centre d'entraînement de la gendarmerie à Saint-Astier-en-Dordogne ou au camp militaire de Souges, en Gironde, l'occasion de quitter le vase clos de la cité. Déjà à Paris, j'étais jamais allée avant, donc c'était nouveau pour moi. Mais vraiment, ce que j'aimais, c'était la visite du palais de l'Élysée. Quand on a vu voir les différentes pièces et tout, ça faisait bizarre genre de se dire que François Hollande et tout, des fois, il était là. C'était vraiment ça qui m'a le plus marqué dans l'année. Alors ma préférée, ça a été Saint-Astier, parce que on a vécu une aventure exceptionnelle ensemble. On a été placés dans un tunnel dans le noir et ça nous a appris à travailler ensemble. Je pense qu'il y a peut-être pour mieux accrocher les élèves, l'enseignant ancre le programme dans le concret. Il peut aborder des notions taboues comme les harkis ou le conflit israélo-palestinien. C'est un projet qui nous prend beaucoup de temps, mais au final, on traite le programme et on construit des citoyens, quoi. On leur donne à voir des choses qu'ils n'auraient jamais vues et qui les aident à se construire et qui agissent sur leur représentation. Construire des citoyens, un projet qui mobilise tous les professeurs. Cet après-midi, après la classe, ils imaginent ensemble un rallye dans les rues de Lormont. Donc on amène une équipe là-bas et c'est plusieurs ateliers, une dizaine d'ateliers, où il y a des questionnaires, où il y a des épreuves physiques. Le collège est en réseau d'éducation prioritaire. Il dispose de plus de professeurs et de quelques assistantes pédagogiques qui prennent en charge les troisièmes par petits groupes, 1 heure par semaine. Ce sont des élèves qui s'expriment très peu en français. La finalité, c'est ça, travailler sur l'oralité, l'éloquence, pour à la fois qu'ils travaillent donc sur cette idée d'histoire des arts, l'épreuve qu'ils passent à la fin de l'année, ouais. Et puis également travailler sur tout ce qui est entretien professionnel. Une approche pédagogique innovante qui a permis d'apaiser le collège en 5 ans. Et il y avait des violences urbaines qui ont disparu aujourd'hui. C'est-à-dire de quel type ? C'est-à-dire qu'on se faisait caillasser de l'extérieur, on était insultés, il y avait des graffitis, et des choses qui aujourd'hui ont tout à fait disparu. Un établissement bien intégré dans son quartier, des résultats en progression. Le collège Montaigne, un exemple encourageant.